Le sac D, ça permet d'aller à la piscine une fois par semaine avec Gauthier, parce que Gauthier, il aime aller à la piscine, et que ce ne soit pas trop fatigant pour la personne qui l'accompagne. Parce que comme Gauthier ne sait pas se tenir assis, je ne peux pas le poser sur une chaise pour l'habiller et déshabiller. On a eu l'idée de fabriquer un sac léger, que je puisse le prendre à bout de bras, tout en poussant le fauteuil roulant, et que je puisse installer Gauthier, qu'il ne soit pas mouillé. J'ai pas besoin de cale-tête, j'ai simplement à mettre une serviette pour que je puisse le déshabiller, lui mettre en maillot de bain et après le réinstaller dans son fauteuil le temps que je puisse moi me mettre en maillot de bain. J'ai utilisé deux morceaux de plexiglas 50 sur 50 que j'ai fixés avec deux charnières. J'ai utilisé une frite de piscine que j'ai découpée pour faire les pieds en mousse qui me permet d'être hors d'eau au niveau de la cabine de la piscine. J'ai collé un motif goutte d'eau pour que ce soit plus sympathique. J'ai pris un tapis de gym que j'ai fixé avec du double face pour faire l'intérieur. Et j'ai utilisé le reste de la frite de piscine pour faire les porte-nuques. Pour finir, j'ai utilisé une sangle pour faire les anses que j'ai vissées au niveau de la tablette. Voilà, nous sommes prêts pour partir à la piscine. Si ça peut permettre à d'autres familles de résoudre un problème existant chez eux, c'est toujours très intéressant. Des fois, il y a des très très bonnes idées qui ne sont pas exploitées et qui ne sont surtout pas diffusées. Voilà. Donc, on les encourage à participer au Papa Bricoleur.